Je me présente, je suis Arnaud Tabaret, je suis le chef du restaurant Le 600 à Cannes, qui est le restaurant du Five Seas Hotel. Donc aujourd'hui, je vais vous préparer une canette. Donc on a une jolie canette ici. On va la faire avec des petits légumes de saison. Quelque chose d'assez simple, voilà, c'est les petits légumes du marché de ce matin. Alors, pour accompagner cette recette, aujourd'hui, j'ai choisi un cru des Côtes-du-Rhône, qui est un Gigondas, cuvée Alexandre 2011 du domaine de la Taisonnière, qui va, je pense, bien se marier avec la canette et le côté un peu acidulé de la sauce. L'appellation Gigondas est un cru méridional des Côtes-du-Rhône, situé dans le département du Vaucluse, accroché dans les dentelles de Montmirail. Il produit principalement des vins rouges, avec pour principal cépage le Grenache. Avec ses terrasses jusqu'à 500 mètres d'altitude, les vins de l'appellation Gigondas ont une grande palette aromatique, entre arômes fruités et notes épicées. Donc pour commencer, la canette. Donc j'ai travaillé un petit peu en amont. Donc en fait, la canette, on récupère les filets qu'on cuit à basse température. Donc là, on est sur une cuisson à 54 degrés qui nous permet de garder une viande rosée. On la remet légèrement en température, donc on va juste la poser comme ça sur la peau. Donc on a notre canette qu'on va remarquer, faire une belle peau croustillante, la remettre à température parce qu'elle est déjà pré-cuite. Donc ensuite, on va préparer tous les légumes. Donc ça, c'est les légumes du marché de ce matin. Je les ai déjà pré-cuits. Alors, on les cuit tous séparément, hein, dans une eau salée à l'anglaise, comme on dit. Tous séparément pour vraiment qu'ils gardent le goût originel du produit. Et ensuite, on va venir les glacer. Alors, la canette, voilà, on la fait retirer doucement sur la peau pour avoir une peau bien croustillante, bien colorée, doucement. Ensuite, on va faire glacer nos légumes. Un tout petit peu de fond blanc. On met nos légumes tous ensemble. On va mettre juste une belle noisette de beurre, alors, voilà, et on va venir doucement glacer ces petits légumes pour qu'ils aient une belle couleur. Toujours, on assaisonne. Alors préalablement, j'avais préparé une purée de betterave. Purée de betterave qui va plus servir de condiment, légèrement acidulé, on met un vinaigre de xérès dedans, et ça va vraiment venir un condiment. J'aime bien les assiettes où il y a un petit condiment, où chacun peut venir piocher comme il en a envie. Donc voilà, on a nos légumes qui glacent, notre purée, notre canette. Et toujours, la base de ma cuisine, en tout cas pour la viande, un petit jus de canard qu'on a fait avec les carcasses de la canette, bien réduit. Donc on fait bien retirer les carcasses, bien colorées, pas brûlées surtout, sinon ça amène de l'amertume. Et ensuite on mouille avec de l'eau et on fait réduire, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Donc on a tous nos éléments, maintenant il ne manque plus qu'à monter l'assiette. On vient juste poser un peu de purée de betterave acidulée, qu'on va venir brosser comme ça dessus. Et ensuite on va poser nos petits légumes, voilà. Délicatement. On a de la chance d'être au printemps, il y a plein de couleurs, donc on essaye de mélanger un peu les couleurs, que ce soit harmonieux. Donc ensuite, on va trancher notre canette. Voilà. On va venir la poser. On a une jolie peau croustillante, donc on essaye de bien la mettre en évidence. Ensuite, on va juste venir saucer légèrement avec notre jus. Et au dernier moment, on va venir râper un tout petit peu de yuzu. On va rajouter juste un peu de fleur de bourrache, 2-3. Donc voici ma version de la canette, avec des petits légumes de saison, un condiment à la betterave acidulée, un jus de viande, yuzu râpé. Et j'ai choisi de me marier avec ce plat, un Gigondas, qui est un cru des Côtes-du-Rhône, cuvée Alexandre 2011 du domaine de la Taisonnière. Le domaine des Taisonnières est situé sur les coteaux des dentelles du Montmirail. Grâce à son savoir-faire et son expérience dans l'élaboration des vins, ce domaine garantit des vins de qualité sur un terroir exceptionnel. Ce vin de Grande Garne, aux arômes complexes, de fruits noirs et d'épices, accompagnera parfaitement la canette.